Pour le jour d'Halloween, monstres et créatures étranges sont donnés rendez-vous à Bonne-les-Mines. Je suis déguisée en pirate, en fantôme zombie. Je suis déguisée en diablotine. Un clown me fait peur. Cette manifestation organisée conjointement par le comité des fêtes de Bonne-les-Mines et l'association des parents d'élèves donne l'occasion aux enfants de découvrir le bus de l'horreur spécialement aménagé par l'association CPTCL, collection Passion Transport en Commun de Limoges. Ceux qui ont décoré, oui, c'est l'association qui a décoré. Et donc voilà, avec une petite participation de Limoges Métropole et de la TCL. En participation avec la CTPCL, un bus de l'horreur. Et à Bonne-les-Mines, pour une fois, il y a ce bus-là qui est exposé pour faire participer les enfants. Une fois à l'intérieur, frissons garantis. Il y a des figurines dedans, décorées. Est-ce que t'as eu peur? Oui. J'imaginais que c'était un vrai, quoi. Les Limougeaux étaient venus en nombre pour cette première édition. On est assez surpris et on est très très contents que les enfants soient venus, soient présents au rendez-vous avec leurs parents. Et on est très très contents. Pour une première, c'est super. Fort du succès de cette première édition réunissant petits et grands, les revenants auront certainement envie de revenir à Bonne-les-Mines pour Halloween en 2022.